Et coucou, Manounette va nous lire une histoire. Alors fais comme moi, installe-toi et amuse-toi bien. Salut. Coucou les loulous. 10 cochons sous la lune. C'est un livre de Lindsay Lee Johnson et Carl Knutt. Ce livre est publié aux éditions La Joie de lire. Lorsque la lune est pleine et veille dans la nuit, les 10 petits cochons s'enfuient sans faire de bruit. Pendant que maman dort et sans se retourner, les 10 petits cochons traversent les fourrés. Sous la lumière de lune, chacun guide à son tour. Les 10 petits cochons s'amusent comme en plein jour. La barrière est franchie. Sans avoir peur de rien, les 10 petits cochons s'en mettent plein le groin. Si nous allions plus loin, il fait encore si chaud. Les 10 petits cochons se jettent dans le ruisseau. Grisés par les parfums que leur offre la terre, les 10 petits cochons cabriolent dans les airs. Mais tout est-il permis? Se demande le hibou. Les 10 petits cochons n'ont même pas peur du loup. Mais bientôt les nuages ont caché la lumière. Les 10 petits cochons ont perdu leur repère. Ouh, ouh, crie le hibou et le renard flairant. Les 10 petits cochons hurlent en chœur. Maman! Elle se lève en grognant et file sur le chemin. Mes 10 petits cochons doivent avoir bien faim. Fini les galipettes et retour au bercail. Les 10 petits cochons ne sont plus des canailles. Vite, vite, endormez-vous. La nuit sera très brève. Les 10 petits cochons sont déjà dans leurs rêves. Trop vite, le soleil brille et le coq a chanté. Les 10 petits cochons ne veulent plus se lever. J'ai montré, j'ai raconté, le temps a passé et l'histoire est terminée. C'était 10 cochons sous la lune, un livre de Lindsay Lee Johnson et Carl Knutt. Au revoir les petits amis. Pas aimé? Moi j'ai adoré. J'ai hâte que Manounette nous raconte une nouvelle histoire. Oh oui alors. Salut!